Et le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses paris avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour des siècles, amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Éveille-toi. Éveille-toi, ô toi
Psaume 2. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Ces nations en tumulte se vaincront de monde peuple. Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Dans sa colère, il leur parle, dans sa fureur, il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Avec un sceptre de fer et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. S'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au les siècles, Amen. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Psaume 138. Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais. Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou que je te descends, mes voix te sont toutes familières. Tu as mis sur moi ta main. Prodige de savoir qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'en enfer je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, là, ta droite me saisit. Je riais que me couvre la ténèbre, que la lumière sur moi se fasse nuit. C'est toi qui m'as formé les reins, qui
qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis et que tes œuvres. Déjà tu connaissais mon âme, et les hommes n'étaient point cachés de toi. Quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre, mes actions, tes yeux les voyaient. Elles étaient sur ton livre, mes jours inscrits et définis avant que pas un d'eux n'apparût. Et les pensées de Dieu sont difficiles à calculer à mon somme. Je les compte dans mes plus de sable et je finis, je te retrouve encore. Si tu voulais. Ô Dieu, tu es l'impie, homme de sang, allez-vous en loin de moi. Ils parlent de toi sournoisement, ils tiennent pour rien tes pensées. Mais je passerai, le Seigneur qui t'aimait, en écoute ce qui se dresse contre toi. Connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Dans nos gloires, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs. Psaume 137. Je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où je criais, tu es au sol. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Seigneur, il voit les humbles et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes niveaux. Tu étends ta main et me sauves. Ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. Ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. La Cantique des Proverbes, page 261.
Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toute ta conduite, pense à lui et lui dirigera tes démarches. Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis. Car le Seigneur prend celui qu'il aime. Qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. Elle est précieuse plus que les perles, de ce que tu désires rien ne l'égale. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche. Ses chemins sont voies de délices et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient. Bienheureux celui qui la possède. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. De saint Augustin, il nous donnera sa vie. La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garantit la gloire et nous enseigne la patience. Les cœurs des croyants peuvent tout attendre de la grâce de Dieu, car pour eux, le Fils unique de Dieu, coéternel au Père, n'a pas jugé suffisant d'être un homme en naissant des hommes. Mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Ce que Dieu nous promet pour l'avenir est grand, mais bien plus grand ce que nous commémorons comme réalisé dans le passé. Où étaient-ils? Quels hommes étaient-ils, ces croyants, quand le Christ est mort pour des coupables? On ne peut douter qu'il leur donnera sa vie, puisqu'il leur a déjà donné sa mort. Pourquoi la faiblesse humaine hésite-t-elle à croire ce qui arrivera un jour, que les hommes puissent vivre avec Dieu? Ce qui s'est déjà réalisé est encore beaucoup plus incroyable. Dieu est mort pour les hommes. Car le Christ est ce Verbe qui était au commencement, ce Verbe qui était avec Dieu, ce Verbe qui était Dieu. Et ce Verbe de Dieu s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi nous. Car il n'aurait pas eu en lui-même de quoi mourir pour nous sans cette chair mortelle qu'il a tirée de nous. C'est ainsi que l'être immortel a pu mourir. C'est ainsi qu'il a voulu donner la vie aux mortels. Il devait, dans l'avenir, les faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé lui-même à ce qu'ils sont. Car nous n'avions pas en nous de quoi vivre, et il n'avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un merveilleux échange de participation réciproque. Ce qui vient de nous, c'est par cela qu'il est mort.
ce qui vient de lui, c'est par cela que nous vivrons. Je vous dis là, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples : Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ce notre foi, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qui est scellé avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seigneur, juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut en rémission de ses péchés. Lumière dans la source de la ténèbre, qui
fléchissent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prompétez-nous. Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prompétez-nous. Confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous thank you.
Mm-hmm.